Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit GLG part en live du mercredi. Alors, il n'y a pas eu mercredi dernier, j'étais pas en grande forme et tout, j'ai tout fait. J'ai fait la perte de poids, après j'ai fait un petit peu d'allergie, je sais pas quoi, j'étais fatigué, il y a eu un pic de pollution et tout, que de la merde. Donc j'étais pas trop en forme, voilà. Donc on n'a pas fait de live mercredi dernier, encore une fois, c'est pas grave. Et puis ça fait aussi un peu l'occasion de réfléchir un peu à ce format, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Alors je vous ai gagné des trucs et tout, mais bon après c'était bien pour vous, mais c'est chiant pour moi. La logistique, les marques et tout, voilà. Donc j'ai cherché un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce format. Alors bien évidemment, c'est un format qui est libre antenne, ça veut dire que je serai là pour lire vos commentaires, réactions, commentaires et tout, voilà, on va interagir un petit peu ensemble pendant une heure. Et je vais en profiter pour vous présenter tous les produits que j'ai reçus, certainement jusqu'à aujourd'hui, par exemple, parce que j'ai le dernier que j'ai reçu aujourd'hui, là, dont ce joli petit socle de casque avec LED et qui fait hub et tout, là. Voilà, je vous parlerai de tous les produits que j'ai reçus, donc je mettrai tous les liens dans la description, et pour ceux qui regarderont ça sur YouTube aussi. Et puis voilà, l'occasion de ce qui est déjà fait, des produits qui vont arriver dans la semaine, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont arrivées d'un coup, puis pas mal, beaucoup de choses que j'attends. Notamment le OnePlus 10 Pro qui arrive demain, parce que j'ai payé la douane aujourd'hui, donc je l'arriverai demain. Voilà. Voilà, puis les choses comme ça, on peut parler un peu, voilà, tous ces produits-là. Ça permet de les présenter un peu avant tout le monde, puisqu'il y a des produits qui sont très sympas et que je suis content, voilà, de qu'on me fasse découvrir avec les marques et tout, qu'elles me proposent un peu des produits sympathiques et non pas des produits de baltringue, puisque j'en ai aussi. Voilà. Bonjour à tous ceux qui sont là. Alors, là, il y en a deux. Normalement, il y a plus que ça. Normalement, il y a Shadow qui est là. Tout va bien. Modérateur. Pas sympa. Sébastien Paulet. Voilà. Bonjour. Comment vas-tu? Mais écoute, ça va bien. Ça va bien. Alors, cette semaine, ça va bien. Je me suis un peu mis au sport fortement, là. Et ce qui fait que j'avais mal partout. J'ai découvert des nouveaux exercices, là. Tu sais, en muscu et tout, pour essayer de, voilà, de revenir belle avant l'été. Et je suis allé beaucoup trop fort. T'es tous les jours genre là, j'ai une forme. Putain, après au bout de 5-6 jours, j'ai mal partout là. Voilà. Enfin bon, après, il faut ce qu'il faut, paraît-il. Donc Shadow qui me confirme rien. Bonjour à Sixshot. Bonjour à Wizbot le robot. Je vous ai mis tous les liens des produits que j'avais, que j'ai reçus cette semaine. Comme ça, on pourra en parler un petit peu tout doucement. Salut à notre modérateur, dominateur. Ah oui, il faut faire attention, hein. Il a la gâchette facile. Hein. il est vénère. Première fois sur le chat d'un spectateur. Eh ben, écoute, c'est pas ça, c'est pas Fredo. Fredo, c'est pas la première fois que t'es sur. T'as un nouveau compte. que tu me racontes là. Bon, ben, bonjour à Fredo. Voilà, bienvenue, Lord, ton allergie cause du chat. Ben en fait, non, en fait, il y avait eu le cas, en fait, moi j'ai habité pendant toute ma jeunesse dans le sud. Cannes, la Boca, le Canet, tu vois. Et sur ma vieillesse, j'ai décidé de repartir sur Lyon et tout, voilà, parce qu'il n'y a pas trop de boulot là-bas. Et en Isère, pendant la période des pollens, je me suis découvert les allergies et tout. Et c'est vrai que, après, j'avais été voir, putain, mais une allergie de psychopathe. Et j'ai été voir le mec, il te met des petits trucs sur le bras pour savoir à combien t'es allergique. Et je crois que sur les 15, j'en avais 12 ou 13, quoi. J'étais allergique, mais à presque tout. Tous les pollens, le chat, le boulot, plein de trucs. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, bah, c'est vrai qu'après tous les je prends des antihistaminiques et de la célestamine et tout, bah, toi, pour essayer et de la cortisone pour alléger ça. Après, une fois que je le savais, bah, les médecins te donnent un traitement adéquat. Mais après, il n'y avait plus trop ici, parce que ici, tu vois, comme on est encore près de la mer et tout, donc ça allait vachement mieux. Et oui, bah après, bah, forcément, l'épisode du chat aura fait. Après, je suspectais pendant un moment qu'il y avait un chat qui était dehors là, qui venait dehors, je sais pas pourquoi faire. Et c'est vrai que ça m'a pris un matin où je me suis dit, tiens, je vais nettoyer dehors, parce qu'il y avait un peu de sale, et avec le jet d'eau, j'ai tout nettoyé et tout. Et ça a dû brasser des trucs, voilà. Ça, plus la fatigue, plus le poème, plus il y a des gros pics de pollution en ce moment en Thaïlande et tout. Voilà, tout ça fait cumuler, a fait que. Un petit peu chaos. Un petit peu chaos, papa. Et après, alors, j'ai pris des anti-staminiques, là. Putain, elles m'ont séché. Putain, au bout d'un moment, tu sais, j'avais le nez qui coulait, j'étais fatigué, tout. J'ai dit, ah, ben, ça doit être ça. Alors, je vais dans la pharmacie, là, puis je prends un nouveau traitement trop bien, là. Putain, ça m'a séché, je faisais que de dormir. Voilà. Donc, j'en ai pris deux jours. Après, j'ai dit, attends, on va arrêter. Puis après, là, ça va mieux. Papa reprend du poil de la bête. du tigre. Il n'y a plus de cadeaux, du coup. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus de cadeaux. En attendant... tous les cadeaux ont été envoyés au truc. Alors certains ont reçu les batteries, la dernière vague, parce que j'en avais oublié apparemment,
J'ai renvoyé les adresses, mais elle m'a pas répondu et tout. Normalement, je suis à jour. Moi, j'ai envoyé toutes les adresses. Donc, ceux qui ont des cadeaux, vous devrez les recevoir un jour. quand les meufs décideront de vous envoyer les tracking et tout. Mais pour l'instant, il n'y a pas de cadeaux puisque j'ai eu un problème de roulement et tout. Puis ça fait chier de relancer les marques et tout comme ça. Où je me suis dit peut-être que le format va marcher, que ça va attirer du monde. Et en fait, tout le monde s'en bat les couilles. Le format marche pas du tout. En replay, on a essayé avec Nico. Je dis écoute, le format, on le met en replay sur le Geek, sur GLG vidéo. Tu le mets pas, on le met pas sur JT Geek, on met pas sur le Geek.tv, on pousse pas la vidéo pour voir. On a fait 200 vues. Voilà, pour dire que voilà, si on relaie pas le truc, donc voilà, ça fait quand même beaucoup d'efforts, hein, et beaucoup de gentillesse pour pas grand chose. Donc pour l'instant, on va rester sur un format comme ça où je vais présenter les produits que j'ai reçus. Ça sera mieux pour le référencement. On a discuté un peu avec Nico, il m'a dit c'est vrai que ça serait mieux pour le référencement, c'est de parler des produits que tu as reçus, surtout des produits des fois que toi qu'on est dans les premiers à l'avoir et tout, notamment le truc TP-Link et tout. Voilà, on parlera de tout ça dans l'ordre. Ça permettra de faire un peu de référencement, de parler des produits et tout, et puis voilà, d'avoir un petit moment sympathique. Patrick. Salut Greg, ça roule. Eh bien, écoute Fred, ça gaz, on est bien aujourd'hui, on est bien, Tintin. Bon, il est à 22h, il est un peu tard. Alors, pour vous, ça fait 17h, c'est mieux. Mais voilà, je trouve que ce format est un peu tard pour moi. Alors j'ai commencé à regarder, alors, il y avait un nouvel épisode de Billion, saison 6, épisode 12, et depuis cet après-midi, il y a Batman. Voilà, Batman, mais c'est une version, tu sais, One Bet les casinos, là. C'est-à-dire que l'image est top, mais le son est pourrave. C'est un son cinéma caverneux. Donc, ça prouve déjà qu'il y a déjà une version vidéo RIP et tout, donc qui est déjà un web RIP qui est déjà plutôt propre. Il ne manque plus qu'une version sonore Kali, et on devrait seulement bientôt avoir Batman en version toute belle. Voilà, pour regarder avec mon home cinéma. Alors, tiens, si j'en parle, j'ai mon home cinéma qui est cramé. J'avais une barre de son Sonos. Au bout de ça, ça va faire 6 ans que je l'ai. Décédé complet, hein. Puis c'est le genre de truc, t'as à faire réparer tout. Donc je me suis acheté une autre barre de son, mais Samsung. C'est la Q900 quelque chose. Il y a la 950 avec les petites enceintes sur une. C'est les petites enceintes de devant avec les angles. Il y a les angles, tu sais, il y a des petites arêtes sur le côté avec des petits haut-parleurs. Dolby Atmos, ces petits caissons de basse. Franchement, ça claque. Ça claque en Dolby Atmos et tout. Petits effets sonores et tout qui vont bien, je sais pas, peut-être que je ferai une petite vidéo ou pas, voilà, c'est un truc que j'ai acheté donc en même temps, voilà. Et puis, chez vous, je crois la 900 n'existe pas, il y a que la 950 avec les deux enceintes sur une, mais ça reste un petit produit sympathique. Il n'y a pas de sous-titrage, je suis au taf, on peut pas écouter. Ah bah non, il n'y a pas encore de sous-titrage sur Twitch, ça viendra. J'ai reçu la batterie Vega Power aujourd'hui, merci encore Greg. Et bah écoute, avec plaisir. Alors normalement, moi, tous ceux qui ont envoyé, j'ai envoyé les adresses avec plus ou moins de délai, de retard et tout. Puis il y a pas mal de Chinois là qui me font le coup. On était en vacances et tout. Alors en fait, non, ils sont pas en vacances. Ils sont en plein confinement général dans toute la Chine et tout. C'est un bordel incroyable là-bas. Donc il y en a beaucoup qui sont pas dispo, qui reviennent au boulot et tout. J'ai eu le cas du mec de la trottinette, l'ex-trottinette Pionnier. Alors c'est pas c'est une marque trottinette. Il y en a une qui s'appelle la Pionnier. Et oh, on vous l'envoie trop bien, nanana, nanana. Et le mec, il a disparu pendant 15 jours. Et là, il dit, je reviens de vacances. Je peux vous envoyer la trottinette. Mais alors, celle qu'il y avait, quand vous m'avez envoyé, il n'y en a plus, qui était connectée avec le smartphone. Donc, on peut vous en envoyer une autre, qui est la même, mais pas connectée avec le téléphone et tout. Vas-y, fais péter. Ça fait que deux trottinettes. L'autre de 1200 watts, normalement, elle est on the way. Et la batterie aussi. Et normalement, une autre trottinette, encore une fois, qui permettra d'avoir un petit produit électrique tous les mois. Voilà. Alors bon, WTS aussi, j'ai fait une petite pause au début. Il me restait qu'une vidéo d'avance, mais je voulais vous faire le casque de BMX et tout. Et puis voilà, j'ai décidé de... Voilà, la semaine dernière, j'ai fait le minimum syndical, j'ai fait le boulot, je me suis reposé, j'ai pris un peu soin de moi. D'ailleurs, bonne année, oui, parce que c'est aujourd'hui, c'est Songkran en Thaïlande, donc c'est la nouvelle année, naissance de Bouddha, tout ça. On est en 2563, je pense, un truc comme ça, cette année. Voilà, donc bonne année. Et voilà, donc j'ai décidé de prendre de moi et j'ai dit, on fait pas de vidéo, on fait rien, je prends mon temps, on fait ce qu'il y a à faire, mais pas plus. Pas de sous-titres, on est d'accord, sous-titrage, non. Les shadows, qui est tant pis, ça... t'es bon pour taper le replay, mon pote. Tu as maintenant des tablettes de chocolat. Pas encore. J'ai plutôt des tablettes de Nutella en ce moment.
Non, mais j'ai bien décollé. Hein. Je suis redescendu pendant ma période de malade à 82 kilos, ce qui est pas mal. Mais j'ai repris un peu des bras, tu vois, un peu de la carcasse et tout. Donc voilà, c'est pas mal. Je suis pas dans le but de me saigner non plus, à faire les abdos et à bouffer comme Sengeko et des machins un peu lyophilisés et tout. Mais voilà, pour l'instant, on est sur une belle perte de poids et une petite prise de masse sympathique. Rien d'exceptionnel. Mais voilà, ce qui permet de reprendre un petit peu du galon et voilà, parce que je vais encore prendre un an au mois d'août là, un petit peu voilà. D'ailleurs, tu as vu mon screen sur Line, je voulais tester ton IVC, mais Windows Defender a décidé autrement. Ouais, enfin bon, c'est pas la première fois qu'un antivirus aura décidé autrement. Moi, je l'ai IVC tout bien. Alors, il n'y a pas la fonction machin ouais, garde et tout là. Je l'ai pas encore eu sur le mien, ce qui m'a demandé de faire une vidéo IVC. Pour ce mois-ci, j'ai simplement fait les 10 raisons d'utiliser un VPN. Une vidéo somme toute classique, mais bon, il paye pareil. Il paye pareil. Je prends son argent et je sais plus quoi dire, moi, maintenant, avec sur ces VPN. Moi, ça fonctionne très, très bien. Et puis voilà, après, est-ce que Defender est un peu fâché et tout? Bon, je pense que Defender est fâché avec beaucoup de choses et beaucoup de produits divers et variés. Après, ils aiment peut-être pas le fait que ça se passe par un VPN, chose comme ça. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Et j'ai été contacté par Wondershare. Alors, petite vidéo Wondershare du mois. Bien, un petit billet. J'aime bien prendre des petits billets comme ça. Entre Filmora et IVC, j'aime bien. Elle voulait. Alors, ils ont un truc qui s'appelle le DC Creator, je sais pas quoi là. C'est un truc, ça fait des captures d'écran où tu peux mettre ton ta tête et faire des captures d'écran, des choses comme ça. Il y a directement intégré une solution de montage. Alors, une fois que tu as fait ta capture d'écran, il te renvoie sur une solution de montage qui ressemble fortement à Filmora et tout. Et dedans, tu peux mettre des effets. On verra qu'il y a différentes pistes sonores et différentes bandes vidéo que tu peux activer, désactiver et tout. Le produit est assez sympa hein, malgré tout. Alors bien évidemment, ouais, mais on peut faire exactement la même chose avec Streamlabs, avec OBS, faire des captures d'écran et tout. Oui et non, en fait oui, parce que bah voilà, on peut faire la même chose, des captures d'écran, et non parce que leur solution, encore une fois, elle est vachement plug and play, elle est facile, tu peux régler et tout, voilà. Et après il y a le logiciel de montage, il y a les effets et tout. Le produit assez sympa, écoute, tout compte fait, j'avais un peu des petits doutes, et voilà. Et la vidéo est prête, il faut juste qu'il paye. Normalement la vidéo devrait tomber cette semaine, donc cette semaine vous devriez juste avoir IVC VPN et DC Creator là de Wondershare. C'est les deux seules vidéos de la semaine. Et après, alors après, je vais vous dire un peu dans l'ordre. Après, j'attaque ça. Alors, attends. J'attaque ça, là. C'est un préampli connecté. Voilà. C'est Marc qui m'a contacté. Je crois que c'est après la Tronsmart, machin. Alors, c'est un préampli connecté. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement un boîtier récepteur Bluetooth, tout ça bien. Alors, au début, tu peux dire, ouais, Marc, quel intérêt, on a tout ça et tout. Alors, si par exemple, moi, vous avez un ampli stéréo et que vous dites, ah ouais, mais des fois, mon ampli stéréo, mettre en Bluetooth, la qualité est pas bien, mais j'aimerais bien mettre Spotify, j'aimerais bien mettre en DLNA ou en AirPlay ou faire du multi-room et tout. Et en fait, c'est à ça que ce boîtier correspond. C'est un petit boîtier comme ça, qui en plus fonctionne super bien. Toi, un petit boîtier comme ça, avec donc tu as les entrées derrière. Derrière, tu peux être la connectique, le Wi-Fi, une clé USB et tout ça. Tu vas pouvoir le connecter en Bluetooth, envoyer ton téléphone dessus en Bluetooth, ça c'est pas mal. Mais il est également compatible avec Spotify. Et tous les liens seront dans la description. Il est également compatible avec Spotify. La review, je vais la faire demain et après-demain, parce que là, ça fait une petite semaine que je le teste, pas mal. Ça veut dire que tu mets sur ton application, et encore une fois, l'intérêt avec ton téléphone, c'est que tu dis envoyer la musique de Spotify sur ça. Voilà. Et lui, donc du coup, il envoie à l'ampli et tout. Ce qui permet, ça évite d'envoyer en Bluetooth au machin, ça prend directement en Wi-Fi. Il y a un super processeur dedans pour le décodage, il y a un meilleur dynamisme, il y a un meilleur son, il y a un son qui est beaucoup plus punchy. Et c'est pas mal, ça permet d'avoir directement ton ampli stéréo classique ou une chaîne Hi-Fi connecté à Spotify. Voilà, parce que je vous rappelle, quand vous mettez sur votre téléphone en Bluetooth, alors toutes les notifications, machin, en plus, ça envoie en Bluetooth, il y a de la perte, voilà, bon, c'est un peu... C'est pas terrible, terrible. Il est également compatible AirPlay, pour envoyer de votre Mac ou à votre ordinateur. Il est également compatible multi-room et tout, il est Wi-Fi, il y a plein de trucs de streaming et tout dedans. C'est un produit très, très, très sympa, en fait, que presque je voulais, tu vois, pour mettre sur un petit ampli stéréo, parce que je voulais un ampli, les seuls amplis avec la... Avec Spotify et tout dedans, ils sont chers et tout. Et puis voilà, c'est tout des amplis 5 points, machin et tout. Ça m'intéressait pas trop. Donc voilà un peu dans le produit qui vont arriver. Et après, j'ai le Yini. Alors, un aspirateur, robot aspirateur. C'est le Yini Vague 2 Pro. Le Vague 2 Pro. Alors, la différence de tous les autres, c'est que lui, il est vibrant.
La lingette dessous, elle est lavante et vibrante, et elle est vibrante à ultrason, comme les brosses à dents électriques. Ils ont pris la même technologie que les brosses à dents électriques pour avoir une mopette qui vibre avec les ultrasons et tout pour pouvoir mieux nettoyer. Pas mal, ça devait sortir le mois dernier. Après, ça devait sortir le 15 et en fait, c'est reporté au 20. Voilà, elle m'a dit, le 20, si vous mettez le 20 avril, c'est bien. Voilà. Donc le 22 Pro est là pour le 20 avril, tout va bien. Voilà, donc ça, c'est le deuxième produit. Bonjour à Nono, le petit robot. J'ai fait le test allergique, moi aussi. Allergie aux acariens, poussière, humidité. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois pareil. Tu sais, sur les... Après, quand tu te mets le truc, j'avais tous les manqués. Wow, merci. Ah, il y a un petit Tipeee qui vient de tomber. Merci à... Bah, certainement, ça doit être John Duff, notre dernier. Je crois qu'André, j'ai vu passer la semaine dernière. Merci beaucoup pour le petit Tipeee. Je vous rappelle, Shadow, vous mettrez ça. Vous pouvez faire un Tipeee, vous pouvez faire un diamant. Vous pouvez vous abonner, offrir des abonnements, vous pouvez tout faire, voilà. C'est presque ton anniversaire, tu as le droit de tout faire, voilà. Bon, ça c'est pour le préampli. Ensuite, il y a ça que j'ai reçu, ça c'est plutôt pas mal. Hein. Vous allez me dire, c'est un chargeur secteur. Alors, au début, je me suis dit, l'autre, elle m'envoie un chargeur secteur 65 watts. Je me suis dit, pourquoi pas. Et regarde bien, en fait, comme c'est un chargeur secteur USB type C, eh ben, il y a une sortie HDMI de derrière. Ça veut dire qu'en fait, il part sur le principe que si tu recharges ton laptop ou n'importe quoi avec ce chargeur-là, en USB type C, l'intérêt de l'USB type C en Thunderbolt, c'est que le signal fait aller-retour. Donc, tu as le signal vidéo qui revient dans le chargeur, d'accord, et qui sort sur une prise HDMI. Ça veut dire que si, par exemple, comme moi, tu as un laptop ou n'importe quoi, tu branches ça, tu charges ton laptop et tu mets directement ta prise HDMI sur l'écran. Et également, il y a une petite prise USB. Ça, je me suis dit, putain, c'est l'idée de l'année. C'est vraiment, tu vois, c'est pas con, parce qu'en fait, tu te dis, ah ouais, merci beaucoup à Shadow pour le petit Tipeee. Je vous vois en bas. Je me suis dit, putain, c'est pas commun, ça, tu vois, parce qu'au lieu de partir, alors souvent, il te faut un hub, il faut un chargeur et un hub, avec les MacBook Pro ou tous les modèles connectiques. Là, ce qui est bien, c'est que du coup, tu pars avec ton chargeur 65 watts, donc là, c'est quand même plutôt pas mal. T'as la prise USB dessus, pas mal, et la prise HDMI si tu veux brancher sur un écran, trop bien. Et ça permet d'avoir ton écran et un autre écran branché là-dessus et tout. Ça, trop bien. Trop bien. Je sais pas, reporter, décaler, nettoyer, astiquer, casa, toujours peu importe. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai reçu la nouvelle Ailou, la Ailou RS4 Pro Plus. Alors je pensais j'ai RS4, il me semblait que j'ai déjà fait. Et non, maintenant c'est la Plus. Tiens, en parlant de Ailou. Alors, je sais pas combien de boîtes travaillent avec Ailou, mais enfin bon, moi, je prends tout. Ils ont une autre boîte, ils ont un casque par induction qui va sortir de la marque Ailou. Par contre, il sort pas avant le mois de mai. Hein. Voilà, elle m'a dit, mais bon, elle est déjà trop bien, on veut truc, voilà. On vous l'envoie, je vais s'y faire péter, tout. Voilà. Donc là, c'est la Ailou RS4, il y a un écran AMOLED. Alors attends, écran avec 118 AMOLED, IP68, 10 jours de batterie, SPO2, bon voilà. Ça peut être une montre qui est vilaine, et je crois qu'elle est pas chère, elle fait 30 ou 40 balles. Vous retrouverez les liens dans la description, tout ça. Et ça fait une petite montre AMOLED, sympathique, Patrick, tout ça, voilà. J'ai reçu l'otage, je suis en contact avec TP-Link. Alors j'ai été contacté par la boîte marketing de TP-Link en France. Ils voulaient proposer leur nouvelle caméra IP. Alors, c'est la nouvelle, celle-là. C'est la la C320WS. Elle est presque disponible nulle part. Ça a mis longtemps. Ils m'ont demandé 1 milliard de papiers. Presque, ils m'ont demandé mon ADN, machin et tout. Merci beaucoup à Sébastien pour le petit Tipeee qui vient de tomber. Merci encore une fois à Shadow et merci à Jaune 9. On a pris longtemps, ils m'ont demandé 1 milliard de papiers, la société, tout ça. Heureusement, j'ai tout. Je suis tout bien, tout propre, tout clean maintenant. J'ai tout envoyé. Et puis David, machin, tout. Et il me dit, m'a pas répondu, mais j'ai reçu la caméra déjà. Alors j'ai dit, maintenant que j'ai la caméra, il ne reste plus qu'à payer. Depuis, pas de nouvelles. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Tout va bien. Elle est belle. Pour l'instant, pas de news de Ekaïssa pour le dernier live. Non. Enfin, si, moi j'ai des news de Ekaïssa, mais pour toi, non. Toujours pas. Mais ça viendra, ne t'inquiète pas. En parlant de Ekaïssa, j'ai reçu deux produits de chez eux. Alors, un, ils devaient m'envoyer le E900. C'est même pas le Pro.
Ouais. C'est leur nouveau casque gaming E900. Bon, bah, pourquoi pas. Et ils en ont profité pour m'envoyer leur nouveau dock. Et je le trouve plutôt pas mal. Alors, c'est un petit support pour pas mettre le casque et tout. Rien d'exceptionnel. Mais, alors, un, bon, non seulement il y a des LED de couleur, là, toi, tu peux changer les trucs. Bon, ça n'a pas grand intérêt, on est d'accord. Mais bon, voilà, c'est toujours ça de bien. Et en fait, comme tu branches en USB type C à ton ordinateur, ton Mac ou tout ce que tu veux, eh ben, il fait hub aussi. Tu vois, tu as une prise USB ici. Tu as une prise USB là, une prise casque. Avec micro, une prise casque normale et une prise micro, voilà. Je trouve que le produit est assez intéressant dans l'optique où c'est de l'USB type C, tu branches, ça fait un petit hub sympa. Tu vois, sur la table, ça fait un petit hub multimédia sympa. Voilà, ils m'ont envoyé ça avec, c'était pas prévu, hein. Je devais avoir trois produits, une souris, un casque, deux autres trucs et tout. Alors du coup, à la meuf, je dis, j'ai reçu le casque E900, elle me dit, non, mais c'est pas moi, en fait, c'est une autre parce qu'il y a le hub avec et tout, enfin... C'est toujours leurs petites histoires à eux, les meufs, je comprends jamais rien à leurs histoires. Et je sais pas comment ils sont dans les boîtes à travailler, parce que il y en a qu'un qui a travaillé avec toi, mais comme c'est une marque de sous-marque et tout, ils ont le droit de faire un peu leur délire. Ben, ça fait deux produits sympas. Donc vous voyez, rien que pour ça, en fait, si on prend la caméra TP-Link, l'ampli, le pré-ampli, le chargeur 105 watts, la montre Ailou, le casque gaming et l'aspirateur, on est déjà à 6 produits sur les 10 que je me suis fixé par mois. Voilà. Et à savoir, laisse tomber, je ne me rappelle même plus de tout ce qui va arriver. Le OnePlus 10 Pro, il arrive normalement demain. J'ai payé la douane aujourd'hui, 103 bahts de douane. J'ai payé 4 euros, enfin 3 euros, 3 euros. Et des fois, je comprends pas. J'ai le Poco, je crois que c'est le X4 Pro, c'est la nouvelle version, c'est pas le X4, c'est le ou le M4 Pro, je sais plus quoi, enfin, y en a une version comme ça. Le Doogie qui est on the way aussi, qui doit arriver. Et après, plein de marques que j'oublie les noms, tu sais, les meufs, après, au bout d'un moment, je laisse couler, tu sais, les produits arrivent pas, on s'en fout, quoi, tu sais, j'ai Imou, j'ai les produits, je sais pas, qui arrivent pas et tout, enfin bon, voilà. J'aurais gagné sauf avec Isa qu'un gentil offert. Bah ouais, écoute, bah après non, peut-être ça reviendra les jeux, mais c'est vrai que là pour l'instant on a vu le cas de qu'est-ce que c'était qui c'est Redmi, tu sais quelle marque et qui faisait, ah j'ai des casques aussi du, je sais plus quelle marque qui vont arriver, super 200 balles quand même, hein, avec réduction de bruit et tout, j'ai oublié la marque. Voilà, une filiale de Xiaomi et tout, qui voulait faire un jeu et tout. Et elle me dit, ah, on voudrait bien faire le live et tout. Puis après, elle a regardé le nombre de vues, elle m'a fait, non, en fait, non. En fait, non, on va pas faire ce coup-là. Des AirDots, je crois, comme ça et tout, voilà. Donc le problème, c'est parce qu'on fait, on manque cruellement de vues. Alors, on a quelques-unes qui ont donné des trucs parce qu'elles regardaient pas, mais comme on fait très peu de vues et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, bah, malheureusement, je pense que pour eux, c'est totalement pas intéressant. Donc j'étais peut-être un peu enthousiaste, mais peut-être mieux attendre qu'on fasse de l'audience et qu'on retourne les voir quand les émissions font soit de l'audience, soit ne font pas d'audience. Voilà, par exemple, on verra. Bonne année, ben oui, bonne année. Je sais pas quelle année on est en Thaïlande, mais voilà. Donc après, tout le monde dit oui, la nouvelle année. Alors, nous, on a fait l'année, le nouvel an, après, on a fait le nouvel an chinois. Après, là, encore le nouvel an bouddhiste et tout. Là, si on se torche la gueule à chaque fois, putain, tous les mois, ça va être. Bonjour à Frambles, voilà. Bonjour Fred, pour Wondershare, c'est leur nouveau logiciel. Je l'ai un peu testé, c'est sympa, mais je reste avec Filmora. Alors leur nouveau logiciel, c'est bien dans l'optique, en fait, il est surtout bien dans l'optique de faire des captures d'écran. Et on verra dans la vidéo, par exemple, moi je fais une capture d'écran, d'accord, là, puis après bah, tu peux rajouter ta tête, donc tu choisis la caméra, le micro, juste comme ça, et quand tu finis le truc, il t'envoie automatiquement sur le logiciel de montage, et tu as accès, un, à ton screenshot, avec la bande audio, par exemple, moi, la dernière fois, j'avais laissé de la musique, quand j'ai fait mes tests, il y avait la musique, pour essayer de l'enlever et tout, plus la voix, le truc que tu peux activer ou désactiver avec ta face et le micro, toi aussi, plus tous les effets et tout, j'ai trouvé ça très sympa dans l'optique de capture vidéo. Voilà, pour ceux qui voudraient faire capture vidéo, du gaming ou des formations, puisque
une des particularités, on verra dans la vidéo, c'est que en temps réel, t'as un éditeur comme Paint, tu peux faire des ronds, des flèches, tu peux signaler des trucs, ou alors tu peux mettre tout en surbrillance et entourer en rond pour mettre en évidence quelque chose que tu veux montrer. Donc dans le cadre de formation et d'explication et de tutoriel et tout, ben voilà, beaucoup vont y trouver leur intérêt, puisque ça évite de faire du montage après. Ça permet d'avoir un truc, voilà, clé en main, où tu fais le truc tout de suite, et après, t'as plus qu'à couper et tout. Moi, j'ai trouvé ça pas mal, voilà. J'ai trouvé ça pas mal, et puis... alors, par contre, il y avait une option fond vert. Il y avait une option fond vert. Alors, dans l'argumentaire, on me dit, ouais, expliquer qu'on peut faire un fond vert, et qu'il y a un tracking intelligence artificielle et tout pour la caméra. Donc, je fais la démo, puis évidemment, quand je fais glisser pour faire un fond vert, il y a marqué que c'est une version gratuite, il faut demander une version payante. Donc, j'ai écrit, je dis, voilà, ce qui serait bien, ce serait que j'ai une clé. Elle me dit, oui, c'est compliqué, vaut mieux faire ça que la version gratuite en attendant, on a du mal à avoir les clés, parce que le truc, il est tout nouveau et tout. Donc, j'ai dit, bon, je vais me démerder comme d'habitude, je fais la vidéo, puis après, donc, je l'envoie, elle me dit, oui, par contre, voilà, à un moment, vous parlez que faut payer, je dis, bah oui, parce que version fond vert, c'est pas gratuit, tu vois. Elle me dit, faudrait l'enlever, ça, je dis, non, on n'enlève rien du tout, je vous demande la clé, vous pouvez pas m'en envoyer, vous me demandez de montrer qu'on peut faire un truc avec le fond vert, bah, ça marche pas parce qu'il faut payer, voilà, il y a une version gratuite, je crois que c'est 10 minutes, et il manque le fond vert et le tracking, mais dans l'ensemble, la vidéo, le produit est sympathique, voilà. Après, ça n'a pas changé ma vie, mais moi j'ai bien aimé. Tim Boulko, hello, bonjour. Sympa ce préampli connecté. J'ai bien aimé moi le préampli connecté parce que. Alors je me suis acheté des enceintes parce que je voulais me faire un petit son sympa et tout. J'ai acheté des petites enceintes Yamaha, des petites colonnes et tout. Et j'ai récupéré là pour la placer là, un espèce de petit ampli, tu vois, Bluetooth, qui est pas mal, mais dès que tu veux un ampli, moi j'aimerais bien un ampli avec Spotify dedans. Mais un ampli, même chez Yamaha, Denon et Onkyo, dès que tu veux un ampli qui a le Spotify Connect, c'est tout de suite un ampli Home Cinéma, machin, un truc, un monstre et à 1000 balles, quoi. Donc, je me suis dit, putain, c'est nul, moi j'aimerais bien juste un ampli, toi, qu'on voit un peu des watts, éventuellement Bluetooth, comme ils le font à peu près tous maintenant, mais j'aimerais bien avoir la fonction Spotify pour envoyer de la musique directement dessus, ou dire à Spotify, tu envoies sur le produit, et comme ça, il envoie un Wi-Fi, et au lieu d'envoyer en Bluetooth, et t'as un meilleur dynamisme, t'as une meilleure bande passante, et t'as un son un peu plus dynamique. Et c'est exactement le produit que je voulais. C'est exactement le produit qu'il me fallait. Et je me dis, je suis en train de regarder avec les Chinois, là, si on peut pas trouver un ampli, essayer de faire une petite review et tout. Mais voilà, un bon ampli stéréo, éventuellement Bluetooth, mais avec ce boîtier-là, Spotify, AirPlay, Bluetooth, tout ça. C'est un produit qui est sympa, qui est pas excessivement cher, en plus, qui fait environ une 60aine d'euros. Je vous rappelle, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo, ou alors je l'ai mis dans le chat au début. Voilà, c'est le genre de produit que je voulus. Voilà, et que j'ai, voilà. Tipeee, un petit Tipeee, donc ça c'est bon, merci pour les Tipeee, Streamlab. J'avais vu ce type de chargeur, fallait y penser. Alors ouais, encore une fois, le chargeur, moi je trouve l'idée géniale, puisque vraiment un des gros intérêts de l'USB Type-C, surtout en Thunderbolt 3, 4, c'est vraiment de pouvoir charger et envoyer du signal vidéo et de la data de psychopathe. Donc à partir du moment où tu charges en USB Type-C, forcément, le signal peut revenir et autant mettre le HDMI dedans et la prise USB. Moi, quand elle me l'a envoyé, en plus, je les facture au plein pour. C'est tout le monde pareil maintenant, à part les smartphones que je facture pas cher parce que j'ai envie d'en refaire un peu. Et puis les marques, quand on fait quand même un peu de vue, qu'on leur dit les prix, enfin, ah ouais, quand même, ah ouais, c'est bien et tout. Donc, bon, le OnePlus, c'est gratuit parce que des fois, il vaut 1000 balles quand même. Donc, voilà. Mais le Doogie. Puis après, tous les autres, ouais, c'est un peu moins cher. Mais voilà, moi, pour revenir à ce chargeur-là, je trouve l'idée trop bien. Voilà, je trouve que ce fast, très bien. Ah, j'ai eu confirmation aujourd'hui de la marque Yuant. Alors, j'ai vu le spécialiste des Chinois aussi, le deuxième spécialiste des Chinois, a fait un produit Yuant aussi, parce que, du coup, avant, malheureusement, Yuant, et après, dans YouTube, il me proposait que les Yuant aussi. Ils m'ont dit oui, on travaille pour une boîte. Je sais plus quoi, j'ai des meufs là, ils sont tombés. Il y en a une, elle me fait oui, je travaillais chez Honor en 2000, je sais plus combien, en 2012, 2013, tu vois. Après, elle me dit je travaille chez Realme et là maintenant, on travaille pour une boîte qui fait des machins et tout, tu sais. Je dis oh là 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 là, elle me dit oui, en français c'est trop cher parce que leurs produits ils valent rien. Là. Mais on veut quand même une vidéo en anglais. Voilà. Bon, pour revenir à Yuant, ils ont un espèce de balai lavage et tout. Voilà. Et puis attends, mais j'ai deux Procénic. J'ai reçu deux Procénic, un balai aspirateur et un truc lavant.
Ils m'en ont envoyé deux d'un coup. Juste. Autant, il y a des semaines, il n'y avait rien et je me suis dit, je vais être tranquille. Autant, quand ils ont le temps, ils envoient les produits, ça vient pas. Mais je crois qu'en tracking, il me reste 6 ou 7 produits où j'ai des tracking, je ne sais même pas ce qui va arriver. Voilà. Ils m'appellent, ils me disent, on est là. Je dis, vas-y, fais péter. Et je déballe ça comme un gosse. C'est toujours un peu Noël, je ne sais jamais ce qu'il y a dedans. À devoir la review du chargeur HDMI. Je. Oui, après, bon, c'est un chargeur de 100 watts, Apple et tout, mais avec la prise. Je trouve qu'avec la prise HDMI, moi, c'est vraiment le genre de produit que je partirai avec mon Mac, je partirai juste avec ça. Parce que je sais qu'il y a une prise USB dessus, c'est bien pratique, et de pouvoir mettre un écran en HDMI. Ah! J'ai été contacté. Oh putain, je ne m'imaginais même pas le nombre de mails que j'ai. Pour le moment, je l'ai refilé à Nico et il a abandonné. Il comprenait rien. Il me dit, on a plein de, c'est plein les mêmes produits, c'est pas les mêmes, après il change de mail et tout. J'ai dit, bon, je vais gérer ça. Une marque d'écran 21/9 gaming machin et tout. Oui, je crois que normalement je devrais le recevoir. Après, je vous dis ça, parce que après, il y en a, c'est un mytho. Non, mais le problème, c'est qu'il y en a tellement, après ils oublient, ils reviennent et tout. On pourrait avoir un écran gaming et tout, donc ça permettrait éventuellement, si on a cet écran-là, bah, de brancher dessus, de faire pas deux en un, mais de réutiliser les produits pour mettre dans d'autres reviews. Voilà. Allez, Lou. Mais exactement. Des Blu-ray. Ah, qu'est-ce que j'ai eu de Blu-ray? J'ai été contacté par une boîte qui fait des DVD, des Blu-ray RIP. Oui, on veut faire ça et tout. J'ai envoyé ces tarifs logiciels. C'est juste 20% plus cher que les reviews. Parce que j'ai pas envie de les faire. Et peut-être elle va dire oui. Hein, peut-être elle va dire oui. Parce qu'en fait, bon, comme on fait un peu de vue, on n'est pas si cher que ça. J'ai pas trop envie de le faire, tu vois. Un peu comme IVC, mais IVC, c'est tous les mois. Tous les mois, je prends mon billet, tu vois. Au début, je dis, ouais, bon, tu sais, ouais, c'est nul, tu sais, je dirais bien, non, fais chier maintenant avec ton IVC, et c'est bon. Mais, tu sais, il veut me payer à chaque fois, je vais pas dire non, comme Wondershare, tu sais, ouais, on veut faire ça, on est content. Tu sais, à chaque fois, quand on fait les vidéos, ils disent, oui, bon, les résultats ont pas été à la hauteur de nos espérances, et tout, j'en sais quoi, moi, je fais la vidéo, les gens la regardent, après, tout le monde va pas acheter tout, quoi, tu sais. Oui, puis après, il y a 2-3 mois après, ils reviennent, soit ils ont oublié, c'est oui, en fait, on est content, tout compte fait, on va refaire en fait une petite couche. Si tu veux, cocotte. Le dock de Keza, je vais me le prendre. Vu qu'il y a des USB, et le monde actuel est mort. Ben, c'est ça. Écoute, tu peux cliquer sur les liens que j'ai mis partout. Hein, je remettrai un petit coup. Je vais mettre un petit coup de lien. Par exemple, ici, je vais mettre les liens, voilà, pour que vous puissiez les retrouver. Je trouve très intéressant. Il est en métal. Étonnamment, je m'attendais à un truc en plastique. Bon, le support, c'est du plastique un peu aluminium, mais le produit est sympa. Il y avait 4 petites vis à mettre là. Alors moi j'ai mis mon ancien câble, hein, il y a un câble noir et tout. Moi je trouve le produit assez intéressant. Voilà. Ça fera un joli petit combo avec le casque et le chargeur et tout. J'aime bien le petit côté. Il s'appelle le RGB Headset Stand. Voilà, c'est une surprise. J'attendais tout à ta chaîne. Il devait m'envoyer la souris, un autre casque et tout. J'ai rien eu de ce que j'attendais. Mais... ils se sont dit. Allez. Ils ont attendu 2 mois. Ils se sont dit, ah merde, on a quoi? Alors le 900, c'est bon. Et puis on a ça là, que personne connaît. On va lui mettre avec. Il sera content. Oui, oui aussi. Oui, oui, parce que même mon casque. Alors je sais pas où il est mon casque Bose. Mais je pourrais mettre mon casque Bose dessus. Avec les petites LED et tout. Voilà, histoire de charger mon iMac. En plus, c'est bien. Oui, c'est vrai que ça fait un petit USB type C. Sur le iMac. Et ça permet d'avoir une prise USB. Il manquerait peut-être juste une petite carte SD. Il y aura un lecteur de carte. Il serait parfait ce truc là. Voilà. Le dock de Keza, je vais me le prendre, ça c'est bon. Pas mal le RGB, le mien, support sans fil, de la souris. Voilà. Qu'est-ce que. 33, je vais vous mettre une petite page de pub. Lancez la coupure publicitaire d'une minute. Ouais, une minute, c'est bien. Hein. Ça vous dérange pas si je mets un peu de pub? Parce que personne ne la voit. Ouais, mais bon, voilà quoi, tu vois, au moins on peut. Ah merde, j'aurais pas dû. Qu'est-ce qu'il voulait? Non, non, tableau de bord. Ah, GLG est en ligne. Ah, bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. AliExpress, c'est bon. Ah, j'étais relancé par le Ozotec Mop Vacuum Cleaner au chaud et tout. Ils veulent que je fasse un versus et comparer avec le Tinesco, le Biscale et le TECT. Je n'ai pas eu cela, moi. Oh, merci à BZH pour les diamants.
Et tout ça sous une semaine. Là, demain, je vais lui répondre, je dirai, déjà, les produits, je les ai pas, et une semaine, je suis désolé, mais il va me falloir un peu plus de temps. Hein, Ah, on est prêt à vous payer et tout. Mais c'est pas un problème de payer là, en ce moment. C'est pas un problème de produits. Des produits, il y en a. Mais je n'ai plus. Voilà, il faut que je calme mon temps. Demain, en deux jours, je ferai le pré-ampli parce que je l'ai bien essayé. Ça marche vraiment bien. Après, il faut que je passe le robot aspirateur avant le 10. Et après, tu vois, les reviews vont se mettre un petit peu en place. Puisque, ah, on a été contacté par Xiaomi Youpin pour leur nouvelle montre Xiaomi Bro truc là. Mais je crois qu'elle sort à la fin. L'autre, elle sort le mois prochain, je crois, apparemment. Oui, on. Merci à Shadow pour les diamants. Ils font plaisir. Pour les bits. Donc, il y a plein. Donc, c'est pour ça que il y a tellement de plein de produits qui arrivent, qui arrivent pas, qui. Voilà. Que je pense que voilà, tous les mercredis, on gardera un peu tous les produits que j'ai reçus là aujourd'hui. Donc, le OnePlus 10 Pro, on le fera mercredi prochain, mais. On prendra, je les stockerai les produits, comme ça, ça permettra de dire, voilà, tous les produits qui arrivent, et puis, des fois, il y a des produits qui arrivent le mois d'après, Xiaomi nous a envoyé un contrat, merci à BZH pour les diamants, qui nous dit que le produit, il est sous embargo, faut pas faire de photos, pas faire de tweets, machin et tout, mais nous, on fera juste un live. Ah, on dira, c'est de la promotion, ça va, attends, c'est juste la boîte, c'est pas comme si, la montre, déjà, elle la vend sur AliExpress, mais là, si je veux avoir la montre, ça va, c'est pas le secret d'État, sous embargo, ça va, monte à 30 balles avec un écran AMOLED, pas déconner non plus. Voilà, c'est pour. Voilà, et ça permettra le mercredi, ça permettra de faire du ref pour le replay de GLG vidéo, par exemple. Bonjour Greg et bonjour à tous. Et eh ben écoute, bonjour Cool Fab, comment vous êtes 14, pas mal. C'est bien ça. Bonjour Cool Fab, hello. OnePlus 10 Pro avec Snapdragon Gen 1. Oui, c'est ça. Oui, le dernier, le à 1000 balles. 1000 balles parce que elle m'a écrit, elle me dit. Alors, ils avaient fait. C'est une boîte. C'est... En fait, il y a beaucoup de boîtes de marketing maintenant en Chine qui s'occupent de d'aider les marques ou plusieurs marques à faire la promotion. Et puis, pas forcément, comme ils travaillent avec nous et que nous, on a un package avec la review, le JT Geek, le Geek.tv, Facebook et Twitter. Généralement, le pack leur va très bien, puisque on se rend compte que bah, c'est assez. La vidéo tape vite maintenant en mettant sur tous les réseaux en même temps. Ça leur permet d'avoir la page Facebook, Geek et Shenzhen, elle a 13 000 abonnés, je crois, ou 13 000 follow, tu vois, Twitter, je sais pas, et voilà, le geek.tv, c'est pas ouf, mais voilà. Encore une fois, c'est plein de supports diffusion qui font que, bah, voilà, eux, quelque part, à la marque, ils leur vendent en disant, là, on met, on est partout, voilà, avec un peu de visibilité, bon, pas très très cher, tu vois. Donc, elle avait payé pour le Redmi 11 Pro Plus, voilà, pas beaucoup, mais un peu quand même, parce que voilà, le téléphone valait pas cher. Et là, elle m'a dit, oui, là, le OnePlus 10 Pro, il vaut 1000 balles quand même. Elle m'a dit, gratuit, il vaut 1000 balles. Après, c'est vrai que j'avais, c'est pas que j'avais trop envie de le tester, mais ça fait quand même énorme, vachement longtemps que j'ai pas fait de OnePlus. Le truc, il est quand même Hasselblad, machin, nanana. Je me suis dit, quand même, le truc, il est pas mal. Et quand bien même, je revends. Après, c'est toujours un truc que je peux revendre facile, ça, tu vois. Genre, même si je le revends en moitié prix, si je le vends 500 balles, tu vois, 500 ou 600 balles, genre, ou même 20 000 balles, je veux dire, voilà, quand je me fais presque un mois de salaire, un demi-mois de salaire, et juste avec un téléphone. Donc voilà, ça vaut le coup de. Puis, peut-être, ça se trouve, au niveau photo, il va me subjuguer. Et ça va être trop bien quoi, et il va être carrément mieux que le mien, et voilà quoi, donc vous voyez j'ai pas changé, j'ai toujours mon Redmi, non mon Nubia Red Magic 6S Pro, j'ai même pas pris le 7, je l'ai bien vendu, oh t'es tout neuf, je suis tombé sur un mec là, en Thaïlande, il était disponible nulle part et tout, je t'ai loupé tout de suite, et donc voilà, donc le OnePlus 10 Pro, voilà, le dernier avec le 8 Gen 1, Hasselblad, tout ça, je le recevrai demain, je ferai une petite vidéo sur Instagram, quand je l'aurai, demain, normalement. Je l'ai dédouané aujourd'hui. Je pense que lui, non, il me semble, elle m'a envoyé le tracking alors que. Enfin, elle m'a envoyé le tracking et j'étais déjà en train de payer la douane parce que DHL m'avait envoyé un SMS en me disant ça va te coûter une blinde. Un ampli connecté avec Spotify, tu en trouves à tous les prix. Tu n'as pas besoin d'une grosse puissance. Moi, j'ai revendu mon vieux Yamaha et je me suis pris un Pioneer. Il a 2 ou 3 ans, ils sont assez accessibles et la qualité est meilleure que sur le Yamaha. Alors, le problème, c'est qu'en Thaïlande, on n'a pas tout ce qu'on voudrait, quoi. À Bangkok, les magasins, ils sont très, très peu fournis. Quand on regarde sur Lazada, il n'y a pas beaucoup de produits comme ça. Donc voilà. Donc, moi, toi, un bon petit ampli stéréo. Envoie un petit peu des watts, tu vois, on en trouve chez Yamaha, Denon, ils sont pas excessivement chers en Thaïlande, même Onkyo, hein, ils sont plus home cinéma,
tiens, un bon petit ampli home cinéma et quand même Bluetooth au cas où, tu vois. Mettre le truc au cul qui fait application Spotify et tout, bah, ça permet de pas me surcharger en budget puisque le produit, je l'ai. Et il marche très très bien et il est évolutif et tout. Ça peut suffire à mon bonheur. Avec mes deux petites enceintes colonne Yamaha, là, je suis comme une petite pucelle, là, qui va au bal. Ah, tout excité. celui que j'avais en tout cas. Re la famille, bonjour, re mes dédaches. Ok, on a vu passer les diamants, tout ça, tout ça. Voilà, salut Omodo. Omodo, il est tout seul, je crois, Koum, en modo, de mémoire. Les riffs, c'est gratos sur Torrent, lol. Alors, si on parle... Oui, mais alors eux, je crois qu'ils veulent faire un rip de Blu-ray, je sais pas quoi, c'est WinX machin et tout. J'ai un mail automatique, j'ai envoyé les prix, s'ils en veulent en pré-roll ou en vidéo, je leur prendrai leur argent, tu vois. Même moi, j'y crois pas, j'ai même pas de lecteur de machin. Je sais même pas comment... Faudrait que j'ai même pas de lecteur de trucs, quoi. Mais bon, il doit bien falloir les ripper. Oui, c'était un Blu-ray, machin, puis pendant un moment, il parlait de mettre des protections, des DRM et tout dessus. Je sais pas. Après, moi, s'ils veulent me donner un peu d'argent, je le prends, hein. Après. C'est comme Wondershare ou Imessi, tu sais, bon, au bout d'un moment... Je me dis, c'est pas les vidéos qui m'emballent le plus, c'est pas trop tech et tout, puis même au niveau des vues, on voit que pas... Mais bon, voilà, c'est de l'argent, c'est de l'argent, il faut bien manger, hein. Après, au niveau des produits, par contre, j'ai dit, on avait dit 10, là, vous avez vu, ce mois-ci, on est largement bien. Alors ça, c'est moi qui ai mis tous les liens, merci à Visdash pour les diamants. Tu as un coupon pour support? Alors, pas encore. J'ai pas encore de lien. J'ai le lien où tu peux l'acheter directement là-dedans. Il s'appelle, je crois que c'est le dernier, support casque gaming, tu vois. C'est le dernier, donc j'ai mis le lien à Amazon. Mais pour l'instant, j'ai écrit à EKSA en disant « Bonjour, j'ai reçu votre produit. » Et la meuf, elle m'a répondu « Non, mais c'est pas moi. » C'est genre « C'est pas moi. » C'est l'autre. Elle m'a mis en copie d'une autre meuf. Il y a même pas une adresse email, c'est une adresse email avec des lettres et tout. Enfin bon, voilà. Et voilà, donc faut que j'attende qu'elle me réponde, qu'elle me dise, ben voilà, si déjà elle veut payer, qu'elle paye bien évidemment d'avance. Qu'est-ce que j'ai eu là qui voulait pas payer encore? Il voulait faire un truc tellement, je vous promets, c'est insolent, c'est aberrant. Non, mais on dit, ouais, truc, non, mais nous, c'est moitié-moitié. Je dis, non, mais c'est bon. Je dis, non, bah, laissez tomber, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je dis, non, c'est aussi. On reçoit le produit, vous payez, sinon on fait pas après, c'est la galère, on tourne. Il dit, là, la vidéo, on devait la faire il y a 2 mois, elle est tombée le 20, tu vois. Puis après, oui, mais on a rajouté des fonctions, il y a une mise à jour du logiciel à faire et tout, enfin voilà. Donc, je dis, voilà, à partir du moment où ils ont payé, on fait. Et tout compte fait, bah voilà, après, elles craquent les meufs, parce qu'elles n'ont pas trop de plan B. Elles disent, bon, bah, on paye. Alors, je vais avec mon boss, il est d'accord. J'ai dit, attendez, on travaille tellement de marques là, en ce moment et tout, que c'est bon. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah, j'ai une autre marque de marketing. Elle vient, elle me dit, oui, on travaille avec la marque Shox. Il va vous le faire tester, le Run 2 Pro, machin. J'ai dit, on a déjà fait ça. Ah, merde. Après, elle revient, elle me dit, oui, alors on est en deal avec ces trucs pour fermer les rideaux, là. Ouais, il voudrait une review, j'ai déjà fait ça aussi, toute la liste quand même, j'en ai tout fait ça, chez eux. Ah merde, je suis mal, désolé, hein. Mais tant pis pour vous. Hein. On a un bon rendement. Hein. C'est ça. On s'en fout, on la voit pas la pub. C'est ça. Vous êtes tous abonnés, vous êtes tous l'abonnement. Alors, j'en parle, si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne. Ça permet, bah, moi, de m'apporter une petite rémunération et vous, bah, de ne pas avoir de pub. Voilà. J'en mets, personne ne la voit. Voilà, tout va bien. Car les diamants sur Internet, ça fait 4 ans que t'es modo. Depuis 2018. Oh, ah ouais, donc ça, c'était déjà la période. J'étais déjà en Thaïlande, parce que je suis en Thaïlande en 2016. Donc ça faisait 2 ans que j'étais là et tout. Ah ouais, ça fait un moment. Je sais plus si c'est comme un peu comme la meuf de Huawei. Là. Mais oui, hein, je travaillais pour Honor avant 2013 ou 2014 et tout. J'ai, oh là là, putain, ça date hein, quand même. Putain, ça me rajeunit pas. T'as le lien pour le pré-ampli connecté. Oui, j'ai mis tous les liens. Ils sont en haut. Ils s'appellent. Il s'appelle le... Je crois que c'est le premier. Le Arriless S10. Je vous le remets là. Il s'appelle le Arriless S10. Non, Arilic. Arilic. Après deux vodka. Non, plus de vodka, c'est fini maintenant.
Avec du Hong Kong. C'est une espèce de whisky thaïlandais. Il paraît que c'est dégueulasse. Enfin, moi, j'aime pas le whisky. Enfin, bon. Voilà, je vous mets tous les liens. Vous trouverez tout, tout bien. Voilà. Oui, ici. Nanana. Ah bah, très bien. Ah, ok. Alors, si tu pouvais juste reprendre mes liens, Shadow, parce que là, tu as complètement défoncé. On a un lien hyper long. Et surtout, tu n'as plus de l'affiliation. Donc, laisse mes liens avec l'affiliation. Ou copie-colle et arrête la picole. Désolé, la page n'existe plus. Ça bug. Et là. Ah, voilà. C'est parce que tu n'es pas le bon lien fort si je clique dessus. Bah, c'est bon. C'est ça, Aridis, 79,99€. Très bien, voilà, c'est parce que je vais juste mettre mon lien. C'est tout. Merci. Si ça se trouve, le... si ça tombe, le OnePlus, tu vas garder pour toi. Je sais pas. Écoute, il faudrait vraiment que la qualité vidéo me subjugue. Voilà, pour que... Et encore, je fais tellement peu de vidéos et de photos que le peu que je fais, tu vois, avec mon téléphone, même s'il faudrait vraiment qu'il soit plus grand et plus mieux, je sais pas. Après, t'imagines si à chaque fois, quand je dis, avec tout le mal que j'ai dit de OnePlus, que après, si j'ai un OnePlus, ils vont dire quoi, les gens? Ils vont dire, mais GLG, t'es qu'une petite girouette. Et je serai obligé de leur répondre, mais oui. Comme tous les youtubeurs, je suis un youtubeur influenceur, je ne suis qu'une petite girouette. Regardez tous les youtubeurs qui ont commencé, qui faisaient que du Apple, qui disaient Apple, Apple. Puis maintenant ils font oui, Android, ouais, bah Apple c'est un peu cher, oh ils me déçoivent un peu. On est toutes des petites girouettes, hein. Écoute, hein, il faut manger, hein. Faut manger, faut survivre. Mais on verra demain quand je vais le recevoir déjà. Et puis après, voilà, on essaiera photo, vidéo, on verra avec elle s'ils ont une date de publication, une promo, tout ça, quoi, tu vois. Oh my god, WinX, la vieille copie de DVD Fable. Non, mais je dis ça, peut-être, c'est peut-être moi qui me trompe, mais il me semble que ça ressemble à peu près à ça, de mémoire. J'ai vu, je vois passer les mails, je vois les réponses automatiques, voilà, quoi. Et puis il y en a une, elle voulait m'envoyer un truc, puis j'ai dit non. Donc j'ai dit non, vous faites chier. Oh, ça m'intéressait pas. J'ai autant que ça me plaît. Voilà. Fred, plus besoin de lecteur maintenant. Mes films 4K, tu peux les récupérer exactement. J'ai même vu sur Netflix maintenant, il y a Batman et tout, The Rise machin, en 4K et tout, c'est pas mal. Parce que comme maintenant j'ai une barre de son Dolby Atmos. Ouais, je suis comme ça, ouais. Samsung, hein. Pourtant, ça... parce qu'en fait, j'ai pris exprès Samsung, parce que ma télé, c'est une Samsung QLED et tout, et quoi qu'on dise, je veux dire, quand t'as une barre de son Samsung avec une télé Samsung, il n'y a même pas d'installation à faire. J'ai branché en e-arc, bien évidemment, parce que la télé QLED, je rappelle, c'est juste un écran comme ça, t'as un tout petit fil tout dégueulasse, et en bas, t'as un boîtier, donc je l'ai mis en e-arc sur la barre de son, ok, j'ai mis le caisson de base qui est plus loin, il y a juste une prise de 120, je branche la prise de 120, je branche la barre de son, qui a tout marché tout seul, rien à faire. Maintenant, la télé, c'est télécommande de la télé, et puis télécommande de télé en aluminium, là, pour les QLED. Je prends la télécommande, ça descend, ça monte la barre de son, elle s'est mise en suroune toute seule, ça a coupé l'eau, ça a tout fait, il n'y a rien à faire. Surtout en IARC en plus, ça s'allume automatiquement et tout. C'est voilà, c'est vraiment le truc que j'ai trouvé bien, et c'était pas excessivement cher, et voilà. Puis après, il y a un petit effet de biatmo. Donc, c'est vrai que dès que tu regardes un peu les films en... Je me suis re-téléchargé Avatar 25 gigas, je crois. Une petite version d'Avatar 25 gigas en truc là. Donc voilà, je me suis dit comme ça, tu mets ça là-dessus, tranquille, et avec petite barre de son, et voilà. Non, ça va bien. Moi aussi, je suis assez content de mon petit studio externe et de ma télé qui en qui presque tout sauf les LM. Il y avait certains MKV pendant un moment, elle les prenait mal. Ça saturait un peu, mais dans l'ensemble, elle prend tous les formats. Voilà. Même les films. Il va ici, une fois que tu es abonné, tu regardes plus les reviews. Tu aurais pu les reviews également, moins de views. Je sais pas. Le problème, c'est voilà, c'est IVC VPN. La dernière a bien marché avec la Formule 1, parce qu'on est tombé pile au moment où il y avait vraiment la Formule 1. Donc, il y a eu un peu d'engouement comme ça. Là, c'est les 10 raisons qui justifient que tu as besoin d'un VPN. Alors, oui, bien évidemment, c'est vrai qu'ils ont un nouveau système pour anti-malware, antivirus et tout.
Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, mais bon, après, après, comme je le mets un peu dans la vidéo en avant, c'est que bah, moi j'ai ça parce que bah, ils me l'ont offert, donc voilà. Et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont pris, donc comme je dis, voilà, nous on a ça, voilà, si toi aussi tu veux la même chose, pourquoi c'est bien. Et peut-être que ça en motive d'autres en disant, ah bah si GLG il a ça, alors si GLG il est payé par IVSI, voilà, et que bah prendre ça ou autre chose, mais c'est vrai que bon, 1,07€ par mois pour 10 appareils et tout, c'est pas mal. Et pour la première fois, j'ai enfin vu la liste de produits. IVSI est également compatible Xbox, PS3 et PS4. J'ai découvert ça dans... enfin. Mais il faut que je trouve des arguments. Donc j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs. J'ai, voilà, les 10 raisons qui font que bah, c'est quand même plutôt intéressant d'avoir ce genre de produit. Voilà. Je me souviens que tu avais encore 3 bébés quand tu m'as mis en mode sur YouTube. Ben oui, mais écoute, là, 4, fit. Alors j'ai changé 4, hein, parce qu'avant j'étais en 700 en upload et 200 en download, et maintenant c'est un... Le nouveau forfait, il fait 500 et 500, je crois, à peu près. 500 en upload et 500 en download, ce qui fit très très bien, et le prix, il fait 490 bahts. Donc 490 bahts, mon pote, ça doit faire... attends, dis Siri, combien ça fait 490 bahts en euros? 90 bahts, mais non, 2,46€. Dis Siri, 490 bahts en euros. 4 bahts, Thaïlandais font centimes. Oh, il comprend. Ce Siri, c'est vraiment de la merde. Je sais pas vous, mais alors, moi j'ai ça. C'est de la merde, il comprend rien. Oh, ça doit faire 15 balles. Oh, ça doit faire 15 balles. Bah, 15 balles pour de la fibre avec assez en download et en upload, moi ça me va très très bien. Voilà. Donc là, c'était moi, j'ai remis tous mes liens. Ok. Laisse tomber Harry. Harry laisse. GLG a cédé aux sirènes de OnePlus. Oh, imagine. Oh, la honte. Non, mais je suis une petite pupute. J'ai dit, ouais, t'écoute. Non, s'il est vraiment bien et tout. Je sais pas. Je sais pas parce que c'est... Comme déjà, ils vont pas me payer pour la review. Bon, ben voilà, quoi. Mais c'est un truc que je revendrais bien. Parce que ça vaut 1000 balles. Putain, je pourrais le revendre peut-être 600 balles, tu vois. Et là, pour moi, c'est plus rémunérateur que la review en elle-même. Donc, c'est plus intéressant. Pareil, j'ai pas de nouvelles de la montre. C'est vrai, je me rappelle, j'avais fait une montre avec le globe dessus, là. Pas de nouvelles de... En fait, le problème, c'est que vraiment, en Chine, comme c'est en train de tout partir en couille, là, même à Shanghai et tout, Shenzhen, c'est reparti, mais ils sont en train de fermer Shanghai et tout, bah, les mecs disparaissent et reviennent, et... trucs de promo, puis j'ai vu qu'il y avait un autre YouTuber qui avait reçu une aussi, donc il en avait parlé et tout, donc, tu vois, ils doivent avoir... le numéro chinois, là, j'en suis aussi, Mac, machin, là aussi, qui fait des reviews un peu de produits tech, donc des fois, tu vois, des fois, ils les ont avant moi, et moi, ils me les programment plus tard, ou des fois, bah, c'est moi qui les ai en premier, puis eux, bah, tiens, ils font la même review que moi, et tout, ils ont un planning de propagande qui est assez particulier, donc, on verra demain. Tout le monde a un prix, même Greg, c'est ça, il n'y a que mon anus qui n'a pas de prix, mais après, tout le reste, ça s'achète. Non, non, mais faut voir, 490 bahts égale 13,47€. Ouais, 13,47€, c'est pas mal. Et dire que je paye 54€ pour 1 giga 700. C'est pour ça, 500 mégas en upload et 500 mégas en download, pour 15 balles, hors taxe, c'est pas excessivement cher. Après, bon, il y a 7% de TVA, tu vois. Mais j'ai trouvé que le prix était assez intéressant, puisque, et puis maintenant, c'est plus 4, hein, c'est TOT, je crois. Ils se sont fait racheter par une autre boîte. Merci à BZH pour les diamants. Et voilà, il y avait une nouvelle offre, et je suis allé voir, j'ai dit, mais tu comprends qu'il y a une nouvelle offre, et moi, j'ai pas ça, le prix, j'ai où me changer ça. Alors, tu sais, comme je suis abonné chez eux depuis un bon moment, ils te changent ça, mais voilà, il y a eu une petite période où j'ai pas d'internet. Et dire, voilà, donc ça, c'est bon. Mais opérateur local, tu connais. Toujours cher. Ah, bah ouais, non, c'est ça. Non, non, c'est pour ça, je suis assez. La fibre marche bien et tout, et content. Bon prix, bonne connexion. Bien, il y a que leur routeur wifi là, c'est de la merde. En download ça va, mais en upload je crois qu'il y a un truc qui marche plus dedans et ça upload pas génial puisque je l'ai remis en câble et là ça upload super bien. Et ne venez pas me dire que c'est mon iMac c'est le iMac 2022, il doit être en wifi 7 ou 8, non, 6 déjà, c'est pas mal. En dernier wifi, je pense que ça doit être leur routeur Huawei là qui a dû prendre un coup dans la gueule. Voilà, donc peut-être que je le changerai. Putain, j'en avais un en plus, on s'est débarrassé, j'aurais dû le garder. J'avais un beau Xiaomi à 30 balles. Ah, Siri est sourd comme un pot. Je pensais pas que ça pouvait être pire. Non, mais Siri, c'est Siri sur Mac,
une catastrophe. Tout le monde, je lis sur internet, tout le monde dit mais ça marche vraiment mal. Autant sur les iPhones, ça marche plutôt pas mal. Mais autant sur iMac, c'est, on a l'impression que c'est pas du tout, c'est pas la même boîte, tu vois. Ça marche vraiment mal, il comprend rien, mais souvent. Alors du coup, j'ai remis mon Google Home parce que Google, il comprend mieux la vie que Siri. Voilà. Pour les grands et les petits. Ok, et après on en est là. TOT Thaïlande pour 4, c'est ça. Ils ont changé TOT. Pourquoi pas? Moi, tu sais, je suis... ils se sont fait racheter, ils se sont fait vendre et tout, voilà. Après, je crois que dans le village, maintenant, on peut mettre tout... je sais pas pourquoi je suis passé à 4. Ah, parce que je crois que je les avais dans l'ancien condo. Et après, quand je passais dans la maison, j'avais gardé le même, voilà, par simplicité. Mais je crois que dans le village, on peut mettre tout, truc qui tire un câble, rien pour toi. Voilà. Ce qui fait bien dégueulasse pour les câbles, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre je ne me rappelle plus. Alors, il faut que je fasse les montres Sigul, mais bon, comme il devait y avoir un placement de produit, et que bah, ça fait deux fois que Wondershare, il doit faire un placement de produit en pré-roll, et ça fait deux fois qu'elle me dit, bon, en fait, on va prendre la vidéo complète, parce que les prix sont pas chers, et qu'on fait un peu des vues, donc elle me dit, oh, on prend la vidéo complète, donc du coup, j'ai pas de pré-roll, en espérant que WinZip... WinZip... eux, ils valaient un pré-roll, s'ils veulent juste un pré-roll, ça m'arrange bien. Parce que pareil, pour le pré-ampli, j'avais reçu un petit ampli comme ça. C'est un tout petit ampli 2x30W, tu vois, avec Bluetooth, auxiliaire, machin. Et ils voulaient la mettre en pré-roll sur un produit, mais j'ai pas de pré-roll, j'avais rien. Donc là, peut-être qu'avec le pré-ampli, du coup, quand je mets le pré-ampli en disant, bah, j'ai ce petit ampli derrière, en attendant de recevoir un truc peut-être Yamaha ou Denon, c'est un petit ampli qui envoie un peu des watts. Voilà. Et je pourrais les mettre dedans. Mais les montres, du coup, j'attends. Pas de nouvelles de Pagani, parce qu'on s'est un peu fâché, parce que la dernière fois, Pagani, c'était on devait recevoir les montres gratuites, mais en échange, on peut faire de l'affiliation. Ils ont fermé leur programme d'affiliation AliExpress, donc à la fin, il ne nous restait plus rien. C'est-à-dire, tu fais les vidéos, tu mets en ligne, et les gens achètent, et ils touchent rien. Voilà. Tout va bien, donc c'est gratuit, ils touchent rien. Donc, il en restait une qui m'avait envoyé d'une autre marque, qui est avec du Sigul Inside. Donc on la fera ça parce qu'il y avait celle-là, il y avait celle la belle Sigul, il y avait celle qui ressemblait à l'Army, la 1903 ou la 1803. Et celle-là, donc je verrai un peu comment je peux caler les montres. Normalement, il y a la trottinette 1200 watts qui doit arriver en partenariat avec AliExpress, pas terrible. On n'a pas eu de nouvelles de Geek Buying parce que j'avais demandé si elle pouvait m'envoyer un code promo pour la Fido, la M1, mais pas la Pro, mais 250 watts. On a eu beaucoup de clics, mais on n'a pas eu une seule vente, donc à mon avis elle va râler. Elle va dire ah, on n'a pas vendu, vraiment pas vendu, pas ma faute, hein. Ça a cliqué et on a fait des vues trop bien. Ça a cliqué comme des petites cochonnes, mais bon, c'est un vélo à 1000 balles, c'est pas un achat d'impulsion, quoi. C'est elle va pas dire ah 1000 balles, je le veux. Non, c'est 1000 balles, est-ce que je les ai, est-ce que je peux, est-ce que j'attends pas. Et puis la dernière fois, il y en a un qui m'écrit, il dit mais écoute, le 250 watts, il n'y avait plus de stock. Il n'y en avait pas beaucoup apparemment, il n'y avait pas beaucoup et il n'y en a plus. Et j'ai pas eu passer l'affiliation. Ou alors elle a vu passer, elle m'a rien dit. Donc voilà, tout est un peu en suspens. Donc on va entretenir 1200 watts et après une autre trottinette qui arrive plus sympa, toi, un peu comme la Xiaomi là, qui a l'air sympathique. Voilà, ça fera une bonne petite review encore une fois. Payé en plus. Pas cher, j'ai envie de faire de la trottinette. C'est cher les trottinettes. Elle vaut 700$ je crois la sienne, la première, la AliExpress, ça vaut 1000$ je crois, un truc comme ça. Et l'autre d'après elle vaut 700$ et tout. C'est pas donné ça, les trottinettes. Hein. Donc je suis prêt à serrer les fesses. Pas trop fort, mais un peu quand même. Merci Wikipédia. Bon, déjà les lives YouTube à 11h, je finissais en cuisine. Mais là, live Twitch à 17h, je finis aussi en cuisine. Il n'y a rien qui va, hein. T'as vu? Putain, on va pas y arriver. Hein. Mais non, là, 17h, ça fait 17h, 18h, en théorie, c'est pas mal. Ça devrait bien faire la plaisanterie. En même temps, ce que tu finisses en cuisine, jaune d'œuf, tu passes à la casserole ou à la poêle. Ok, ouais, c'est bas. Elle est drôle, ça roule en... ça roule en fat bike. Plus besoin de moto maintenant. Je suis en train de voir avec AliExpress. On en a une autre là qui est en deal, une espèce de vélo électrique entre ces mi-figue, mi-raisin. Attends, je vais vous faire voir la photo si je la trouve. Un putain de vélo électrique, mon pote, avec des pédales et tout, mais on dirait une moto. Capture d'écran. Alors, téléchargement. Over.
Non, c'est pas ça. Pas ça. Pas ça. Ah, celui-là. Merde. C'est un putain de vélo électrique avec une batterie de watt 1000. Tu vois, il y a des pédales et tout, mais ça fait vraiment mi-moto et puissance et tout. Donc j'ai relancé AliExpress, je ne pouvais pas aller les contacter là, essayer un peu de bosser pour moi, tu vois. Je les charge pas. C'est le truc qui vaut 2000 balles, je crois. Je les charge pas. C'est gratuit. Gratuit. Mais elle me dit oui. Voilà, j'ai pas eu de réponse depuis. Xiaomi, c'est parti. Elle devait m'envoyer les Xiaomi, puis après, on peut pas t'envoyer en Thaïlande et tout. Donc voilà, c'est pas tant que tu sais. Donc j'ai essayé de voir avec le vélo. Mais donc du coup, là le vélo c'est pas mal, mais bon quand tu veux aller un peu loin et tout, alors déjà j'ai toujours ma béquille qui est pliée, donc c'est pas bien pratique, je suis obligé de le caler et tout, donc j'attends de voir ma béquille, et c'est vrai que je tente souvent, plutôt que de partir tout en électrique, j'ai tendance à encore prendre un peu le scooter en attendant, tu vois. Donc là par contre l'autre par contre elle a l'air pas mal. Je réfléchis comment sera ma vie, par exemple. T'as loupé mon message, ça se peut, ça se peut. Merci les diamants, merci Wikipédia. J'ai lu, hein, merci Wikipédia. Joli ce petit insert blanc, c'est classe. Oh, on en est où sur le vélo là? Je sais pas, le vélo, moi il me rend fou. Hein. Je sais pas comment il fait. J'ai pas le prix. Marque celui-là, il y avait celui-là. En fait, la marque avait celui-là aussi. Et il fait 57 000 bahts. Putain, ça doit faire au moins 1500 balles. Et ils ont celui-là aussi, là. Avec la batterie au milieu et tout, le petit phare. Ah, ça fait vraiment petite. Des petits 103 SP, mais avec des pédales, quoi. Tu enfin, venu comme un 103 SP en même temps. Mais tu sais que la batterie au milieu et tout. J'aimerais bien que pour une fois, AliExpress, elle fasse son boulot et voilà, qu'elle le motive et qu'il m'en envoie une. Plus haut avec Tot. J'ai mis une explication. Ah! Que. Attends. Shadow. Tot, c'est le Orange de la Thaïlande. C'est l'opérateur historique. Et CAT a été racheté le 7 janvier 2021. D'ailleurs, le réseau fibre de CAT est celui de Tot. Voilà. D'où pourquoi c'est bien. Voilà. Donc, bah écoute, je connaissais même pas Tot pour dire. Enfin, moi, j'ai vu Marquis s'en faire racheter et tout. Rien à foutre, ça marche pas cher, ça marche bien, mais je comprends qu'il les ait rachetés. Bah écoute, merci Wikipédia et merci Shadow. Oui, sur le vélo. 103 SP électrique. Non mais c'est ça. Non, c'est ça. Non, parce qu'il existe des petites. Je sais plus comment ça s'appelle. Il existe des petites motos, toi, électriques, faites pour le tout-terrain et tout, mais qui sont interdites sur la route et souvent. Il n'y a pas de pédale sur ce temps. Après, il existe des versions avec des pédales, mais bon, c'est quand même des versions déjà relativement chères et c'est pas fait pas homologué pour la route. Là, on est plutôt sur une espèce de vélo avec des rétros et tout et une batterie au milieu de psychopathes et tout. Moi, ça me chaufferait bien. Moi, ça me chaufferait bien. Ici, à partir du moment où tu roules pas plus de 45 km/h, et puis encore quand bien même tu roules à 45, les flics sont moins casse-couilles que chez vous. Et puis voilà, bon bah écoute, ça fait déjà 1 heure, les enfants qu'on est ensemble. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Demain, je vais rien branler ce soir. Je vais juste mettre les liens dans la description de Twitch et puis la vignette que j'ai fait. J'ai fait une vignette. Et je mettrai en version audio demain sur SoundCloud. Et je mettrai, je prévoirai la publication de mercredi prochain. Pour ce live-là sur YouTube. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous regardez cette vidéo, bah, par exemple sur YouTube ou sur Twitch, je crois que vous pouvez pas. Ce que vous pensez de ce format-là, est-ce que ce format-là du mercredi, beaucoup plus ciblé high-tech, moi personnellement ça me plaît mieux, ça permet de parler des produits que j'ai reçus, puis encore une fois, peut-être on aura des produits sous embargo qu'on devra pas, mais je peux vous les montrer, c'est plutôt pas mal comme ça. Voilà. Parler un peu des produits que j'ai reçus de la semaine, ça permet de faire un peu du référencement pour le titre, de parler un peu de tech, puis de vous présenter des produits que. Hein, les produits truc là peut-être le ouais, peut-être vous connaissiez pas comme moi, vous découvrez pas mal le préampli, le chargeur et tout. Je vous mets tous des liens, c'est des liens affiliation, donc si vous voulez faire un petit achat, bah, sachez qu'en plus rémunération il y aura. Donc voilà, tout est bien. Ça fait un petit live, je vous présente des produits, on reste dans le high tech, on revient dans le leitmotiv de pour GLG vidéo et tout. Des produits un peu en avant-première que vous connaissez peut-être pas et tout, puis ça permet de crâner un peu en disant regardez tout ce que j'ai reçu, c'est trop bien. C'est moi le spécialiste des produits chinois, on a dit. Non.
Nom de Dieu. Bon, j'en ai peut-être un peu beaucoup là. La semaine prochaine, à mon avis, il y en aura encore vraiment pas mal. Bon, mon meilleur pédéal, si t'as pas de batterie, hein, Greg, toi-même, sur le porte-bagages, la pédale. Bon, laissons. Oui, bah oui, oui. Non, mais ça, oui, non, mais ça, après. Puis je crois qu'elles sont pas homologuées, les motos. Puis après, quand il n'y a pas de pédale, c'est pas considéré comme vélo assistance électrique et tout. Donc. Et puis en plus, je vous dirai si ça se fait ou pas, mais voilà. J'attends le coupon pour le support de casque. Eh ben, écoute, dès que elle me l'envoie, si elle me répond, qu'elle paye, qu'elle m'envoie le lien et un petit coupon, ça sera avec mon ami plaisir. Voilà. Bon, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère que vous aurez aimé ce petit format. Voilà, on essaie des choses. Moi, j'aime bien comme ça. On est bien dans le high-tech, on est bien dans le produit. Et puis, comme je vois beaucoup d'entre vous, vous êtes contents du produit, vous dites, ah, pas mal. Et vous attendez le coupon, bah, ça vous motivera à regarder les reviews. Je vous rappelle, pour tous ceux qui feront un Tipeee pendant ce mois, c'est-à-dire vous mettez un bal et vous êtes tranquille pendant un mois, vous recevez toutes mes vidéos reviews 24 heures avant tout le monde. C'est une petite compensation et tout, mais voilà, ça permet de vous envoyer les liens et tout. Et WTS, on va essayer de garder un rythme de tous les dimanches. J'en ai déjà une d'avance, faut que je fasse le casque. J'ai reçu encore deux autres casques. Hein. Je vais faire une review avec les quatre casques et tout, mais bon, je suis un peu débordé, donc je sais pas comment je vais faire. Peut-être que je les ferai un par un sur WTS, voilà. Et ce sera au moins une tous les dimanches pour essayer de garder un rythme comme ça. Et si je peux en mettre deux par semaine, j'essaierai de les caler aussi. On verra comment ça va se passer. Voilà. Bon, merci à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous, sur Instagram tous les jours, bien sûr. Et sinon, mercredi prochain sur Twitch à partir de 17h. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.